Bonjour, c'est Sylvain, webmaster de tutoriel chez Libur. Aujourd'hui, un membre me pose la question, comment configurer Windows 7 pour empêcher les utilisateurs d'avoir accès au panneau de configuration? Eh bien, la solution est très simple. Ça vaut pour Windows 8.1 ou Windows 7. Donc, nous allons dans le menu Démarrer. Je vais enlever ça, Démarrer, et nous tapons la commande GP. edit.msc. Voilà. Un coup que bien apparaît, nous lançons l'éditeur de stratégie de groupe local. Puis, sous configuration utilisateur, nous allons cliquer sur modèle d'administration. Donc, nous déployons l'arborescence. Puis, nous allons sélectionner le panneau de configuration. Voilà. Ici, sous Windows 8.1, nous avons interdire l'accès au panneau de configuration et à l'application paramètres du PC. Sous Windows 7, ça va être un petit peu différent. Vous allez avoir empêché l'accès au panneau de configuration. C'est le même, mais qui porte un nom différent sous Windows 7 ou Windows 8.1. Alors, pour changer la configuration qui est non configurée par défaut, vous faites un double clic. Voilà. Et vous cliquez sur Activer, puis sur Appliquer. Vous pouvez cliquer sur OK pour terminer. Ce que ça fait, c'est dit en bas, si des utilisateurs essaient de sélectionner un élément du panneau de configuration, l'élément de propriété du menu contextuel, un message indique qu'un paramètre bloque cette action. Donc, les utilisateurs ne pourront plus avoir accès au panneau de configuration en utilisant cette option. Je vais remettre ça par défaut pour moi, car je n'en ai pas besoin. Sur ce, ben, je vous invite à visiter tutoriel-excalibur.com pour d'autres astuces comme celle-là. Bonne visite.